Move. Ah le roi, on est où là? On est sur Montréal. On est où exactement à Montréal? On est au château Saint-Ambroise où on a filmé les mathématiques du roi, documentaire classique, légendaire. Tu vois ce que je veux dire? On est en direct du château Saint-Ambroise. C'est ça, classe ici, hein, c'est la classe. Hein. C'est ici et mon négro ROS qui est dans la maison. Salut ROS. Les choses se passent à fond ici. Les choses se passent à fond toujours pour toi? C'est ici. Bah, d'abord, est-ce que tu peux dire au jeune public français là, qui tu es? Tous les Français connaissent le roi Enoch, donc tu vois ce que je veux dire? Ils savent juste avoir mon visage et mon style orthodoxe de pape Benoît XVI. Ils savent tout de suite qui je suis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, parce que nous, on t'a pas mal suivi. Hein. T'étais l'artiste québécois choc qui arrivait comme ça chez nous et qui bousculait un petit peu le rap. Si. Ouais. T'es arrivé avec ton franc-parler. Ça s'est passé à fond sur Paname. J'adore la putain de France, tu vois ce que je veux dire? Voilà. On aimait bien t'écouter, on aimait bien rire avec toi. Si. Grosse salutation à des Français comme Jacques Bruel. Jacques Bruel ou Patrick Bruel? Patrick Bruel. Putain, c'est la zèbre, mais Patrick Bruel, il est chaud de sa mère, lui. Il est chaud de sa sœur aussi. T'as une salutation à faire? Non, mais j'aime ce style de Français qui explore des dimensions qui sont parallèles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc t'es arrivé avec ton rap français, mais ton français à toi. C'est-à-dire que d'abord, ici à Montréal, comme on parle aussi en anglais, toi tu détestes ça. You know? Moi j'aime la langue française, je suis haïtien. Tu vois ce que je veux dire? Donc le français, je m'en accapare et je performe en français. C'est mon choix. J'aime super le rap anglais, j'aime super de sa mère aussi, j'adore ça. Bah ouais, parce que toi t'as vécu aux États-Unis aussi. Ouais, j'ai vécu dans le Queens, tu vois ce que je veux dire, et les gens savent. Et en passant, Prodigy of Mobb Deep, qu'il repose en paix, mon frère est mort, je suis extrêmement peiné, tu vois ce que je veux dire, donc R.E.P. Prodigy de Mobb Deep. Il vivra à vie, tu vois ce que je veux dire, il a des sons de ouf, il m'a inspiré, je copie son style tellement que je suis sur son truc. Il y a certains trucs que j'ai copiés direct, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas comme les Français qui, tu vois ce que je veux dire, qui cachent, qui jouent à cache-cache. Moi, il y a des trucs que j'ai copiés de lui direct, j'en ai rien à foutre, petit pédé de merde, tu vois. Donc, Prodigy, le Mobb Deep, repose en paix, ma plus grande inspiration dans ce rap de merde, tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous avez bossé ensemble? Vous avez failli bosser ensemble? On a un truc qui s'en vient sur un album choc avec Twin Gambino, Godfather Part 3. J'ai des collaborations avec Big Noid, Ty Nitty. C'est un gros album pour vraiment pour faire taire les gens sur mon vécu dans Queensbridge. Tu vois ce que je veux dire? Un album en collabo avec Godfather et Big Twin. Et on a, comme je te dis, des collaborations vraiment inédites. Donc, vous allez avoir des surprises. Et maintenant, tu viens en France incognito, le roi, ou t'as fait longtemps que t'es pas venu quand même? Ça fait longtemps, depuis que j'ai eu ma petite fille, que je construise une maison qui est presque finie. Donc, je suis sur des trucs de luxe. Non, j'ai fait construire neuf et je détruis le neuf pour mettre du super luxueux. Tu vois ce que je veux dire? Car je suis un ingénieur, je suis extrêmement maniaque des trucs bien faits. En tant qu'un ingénieur en masterisation de la bande sonore, je suis extrêmement, tu vois ce que je veux dire, ou pas, à la Sarkozy, et je suis extrêmement au système Louis Vuitton français. Je construis le studio à la cave. Ouais. Et le même truc, je suis dans la merde, car je suis tellement perfectionniste, je recommence le truc. Non. Comme une espèce de vieux français qui fait des Patek Philippe. Tu vois ce que je veux dire? Qui fait des quoi? Qui fait des Philippe Patek. Tu vois ce que je veux dire? Ces vieux français qui les. Ces horlogers français qui usinent. Tu vois ce que je veux dire? Et qui. Putain, ils liment l'or.
et la platine. Tu vois ce que je veux dire? Lime des heures pour faire la Patek Philippe pour 65 000 euros avec un bracelet en cuir, en crocodile. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'adore ce genre de truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, ta baraque, ça va être du luxe, quoi. Un minimum. Donc, famille, maison, le roi, il est rangé? Ouais. Il est plus gentleman que gangster, maintenant, alors. Plus gentleman que gangster. Tu l'as, Yasmine, t'as le doigt dans le mille, tu m'as. Exactement. Je me range plus du côté pape Benoît XVI et Sarkozy. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, Hollande, rien à foutre. Et Macron, c'est ça? Ouais, on a changé de président. Macron? Ouais. Il faut que je l'étudie, lui. J'aime pas sa gueule. J'aime pas sa meuf. Je trouve que son style est trop. Il est pris dans une merde avec une vieille pétasse. Donc, je peux pas respecter son truc à fond, mais j'aimais bien le style de Sarkozy, moi. Tu vois ce que je veux dire? Hollande, il y avait une drôle de gueule. Tu vois ce que je veux dire? J'aimais pas sa tête à Hollande avec sa drôle de gueule de français raciste. Bon, et le rap alors, parce qu'on parle de politique, mais le rap, on en est où? Le rap, les trucs sont faits. J'arrive avec un album, comme je vous dis, qui est inédit, Calico Musique. Mais en ce moment, le rap, c'est rangé, ouais, c'est dans le coffre-fort, c'est sous clé. Tu vois ce que je veux dire? Je suis plus dans construire mon avenir pour lorsque le rap s'éteint, je puisse glisser comme sur. Les montagnes de Suisse, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que le rap va s'éteindre après toi? Grave, car le rap, ça dure, mais il y a un moment que tu vacantes et ça vient la demande. C'est la demande. Donc, il y a des temps que tu es vacant. Donc, il faut te préparer à ta retraite. Car là, je rentre, tu vois ce que je veux dire? Et il faut s'acheter les Patek Philippe. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une Audemars. Une Piguet, mais la police me l'ont saisi. Donc là, je me suis acheté une Rolex. J'essaie vraiment de rouler une Aventador. Tu vois ce que je veux dire? Au moins une Aventador pour un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Et l'accidenter aussi, si je peux. Ouais. Tu peux nous présenter tes bijoux? Là, j'adore. Mes bijoux, c'est des vieux bijoux que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Mais lorsque ce sont des vrais, ils ne deviennent jamais verts. Ils ne changent jamais de couleur comme ces petits pédales qui ont des bijoux du Chinatown. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ce sont des vrais trucs. Il y a 250 carats de diamants sur cette chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chaque diamant sont un demi-carat. J'aurais pu prendre un carat, mais moi, j'étais trop imbécile à l'époque. J'ai acheté deux à 75 000 $ chaque. Donc, chaque diamant sont un demi-carat chaque. Et le pendentif est couvert de baguettes de Princess Cut. Tous les sortes de diamants sont sur le pendentif, tu vois ce que je veux dire? Donc, même chose pour les bracelets. J'ai des canaries, des diamants jaunes, et aussi j'ai des... tout est VVS. Avec ça, c'est monté sur du 14 carats de l'or. Ça, c'est monté sur du 14 carats. Et le pendentif... Il y a un autre à l'intérieur. Est sur le 14 carats. Et ça aussi, c'est sur du 14 carats. Le 18 commence à coûter cher. Et, ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle est où ta Rolex, du coup? Ma Rolex, tu veux m'emmener le sac ROS, le Louis Vuitton. La Rolex, elle est posée car je viens depuis 2011, je suis sur la liste et j'attends qu'on me la livre. Et maintenant, ils me l'ont livrée en 2017, tellement que Rolex sont sur cette merde de Hermès et de Louis Vuitton. Tu vois ce que je veux dire? Et de Longchamp. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut se mettre sur une liste d'attente, quoi. Ouais, il faut se mettre sur une liste, mais lorsque tu reçois ton bien, tu es content. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est la Rolex la plus grande qu'ils ont fait à l'histoire de Rolex. Car Rolex s'arrêtait à 40 mm. Ils ont fait du 41, du 42, du Yacht Masters, du 42. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de 41 et de 42. Mais maintenant, ce modèle est du 44. Et il y a là aussi il y a un modèle anniversaire là. C'est quoi le modèle? Un modèle de ouf. Ouais, la Dipsy anniversaire 50e avec le écriteau en rouge à 43. Mais moi, j'ai pris la 44. Donc, la Rolex la plus grosse sur le marché. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu la mets pas au poignet? Je la mets pas car les nouvelles, il faut que je fais des arrangements. T'es content? Oui, je suis content. Ça m'a coûté 17 400 avec les taxes. Donc, j'attends depuis quand même un bon moment. Je suis très content de ce morceau qui donne d'une raffinité raciste. C'est
qui est anti-nègre. Ah oui, et j'adore posséder les trucs que les nègres ne sont pas supposés de se mettre au poignet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Car nous, on vient de la pauvreté et on aime ça, ce genre de merde. On aime ça, on s'exhibitionne comme à Hollywood, venant de la vente de crack. Jusqu'aux Champs-Élysées. Ah putain que le roi est chaud. Ah putain. Il est chaud. Bon alors le rap, parce que tu sais que je suis là pour en parler aussi un peu du rap de Montréal. Oh oui, le rap de Montréal. Oh ben c'est toi qu'il faut qu'il m'en parle du rap de Montréal. Moi, fait longtemps qu'on ne m'en parle plus depuis que le roi est en vacances, est posé, est sur pause. On m'en parle même plus du rap de Montréal. Ah, t'es en vacances. Donc c'est toi qui me parles du rap de Montréal. T'es en vacances, c'était en longue vacances quoi. Non, je suis en vacances pour 2 ans et je reviens bientôt avec cette cam pure. Ce rap de définition, appellation qui est contrôlé, qui a mûri à point dans les chais sur Paris. Tu vois ce que je veux dire? En région de France. Et on va balancer cette merde, mais les gens doivent apprécier tout ce que j'ai balancé. Quand j'ai planté des graines, maintenant ça pousse. Tranquillement, les choses se passent. Moi, je laisse que l'époque des homosexuels avec des jupes va au maximum de sa fraîcheur, va au maximum du sommet, et après je reviens flinguer. En attendant, je suis posé. Moi, je regarde le jeu de loin, je vois qu'il n'y a rien qui se passe dans ce rap de merde. En France aussi, il n'y a rien qui se passe. Ah, putain, il n'y a rien qui se passe dans ce rap de merde. Il n'y a rien qui kiffe. Rien, non, c'est pas qu'il n'y a rien qui kiffe, mais il n'y a rien qui se passe. Tout le monde imite son derrière et attend que les Amériques, que les États-Unis arrivent avec un nouveau truc. Ils plafonnent. Il n'y a rien de bon qui se passe dans ce rap de merde français ou québécois ou rap de merde de pédale. Tu vois ce que je veux dire? Où sont vos diamants? Où sont vos Rolex? Où sont votre Porsche 911 Carrera S? Un petit pédale, hein? Le reste, moi, ça ne m'intéresse pas, vous parler de rap de merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Ross? Si, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'a pas le temps. Moi, il n'y a rien qui change. Rien change. J'attends l'oseille et que le jeune s'épanouisse. S'il n'y a pas d'oseille, le rap n'a aucun message. Il est éphémère. Dans 2-3 ans, on ne parle plus de toi. Mais j'aime bien aussi le style en parlant de nouveautés, j'aime bien le style de Lacrime. Ah ouais? Lacrime assure putain de grave sa mère, sa sœur. Il flingue ta petite sœur et ta mère aussi, ta grand-mère aussi. Lui, j'aime bien lui. Tu vois ce que je veux dire? Je supporte ce genre de voyouserie à temps plein. Il s'en nique sa race. Tu vois ce que je veux dire? Ils tirent sur les Français à temps plein, et ils aiment ça. Moi, j'adore le style de Lacrime. Je supporte ce style de voyouserie qui va l'amener à rouler des Rolls-Royce. Tu vois ce que je veux dire? Des Wraith, Rolls-Royce Wraith, là, avec le plafonnement, c'est le ciel. Il y a toutes les étoiles du ciel dans le plafonnement de la Rolls-Royce Wraith. S'il continue, mon Lacrime, tu vois ce que je veux dire? Il va rouler ça sur Paname. Donc tu regardes un petit peu ce qui se passe alors. Non, mais il y a quand même des gens que je kiffe car leurs voyous, moi... Ça te touche. Ouais, on relationne direct. Lacrime, c'est un genre de mec qui sait qu'est-ce qui se passe avec le roi. Il qui sait que ça flingue à temps plein. Moi aussi, je sais qu'il flingue à temps plein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les vrais, ils reconnaissent toujours les vrais. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question... c'est ça, là. C'est un minimum, là. Tu reviendras à Paris nous voir? Oh grave, j'adore trop France. La France, c'est super cool. Les gens sont super... Les gens sont cultivés. C'est une... c'est superbe. C'est extrêmement vieux comme continent, tu vois. La France, c'est un pays qui trime depuis longtemps et qui a beaucoup de saveurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'adore la France, j'adore le culinaire, tout le système culinaire français, le système de vin, le système... de luxe, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, je serai sur France bientôt. Et je suis sur France maintenant, avec Yasmine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis sur vous, les Français, dans votre
caméra, la pupille. Adore le roi. Oh, mère, mère. Et ta petite sœur. Et ta petite sœur, elle. Le roi. Ouais, mais t'as pas changé de personnage, c'est bien. Toujours le même. Ce n'est pas un personnage. Enoch est mon vrai nom. Et le roi? C'est toujours le roi. Je suis le roi de la langue française. Tu vois ce que je veux dire? Ici. Allez. ROS. Ah ouais, ROS. Laisse savoir à... C'est quoi, c'est Move? C'est ça, c'est Move, hein? Move, ok, Move. Laisse savoir à Move ce qui se passe. Laisse savoir à bonjour, Move. Bonjour, bonjour, Sissi. Moi, je suis le prochain, si ça s'en vient, ROS. Je ramène du nouveau flow dans ce game. Je ramène la grosse écriture. Je ramène du bon rap à l'ancienne, à la nouvelle en même temps, à la nouvelle sauce. C'est ROS. C'est du lourd. C'est sombre. Vous allez voir. Je ramène sérieux dans le jeu. N'inquiétez-vous pas. C'est ROS. C'est ton gars sûr. Mon gars sûr. Plus que sûr. Vous êtes sur Move. C'est Roy Enoch et ROS en direct de Montréal. Hein? Ça se passe à fond sur Move. Grosse salutation à toute la France, Paris entre autres, et que Prodigy of Mardeep repose en paix. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein? Si, si. Vous écoutez Move. 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 Move.